Alors macOS Sierra se dote de quelques nouveautés également du côté de l'application Message. Pas beaucoup de nouveautés à ce stade, mais quelques-unes assez intéressantes. La première étant la possibilité de mettre des vidéos inline, donc dans un chat, directement. La seconde, on va couper la vidéo. La seconde que vous pouvez voir apparaître au-dessus de la vidéo, qui est celle de pouvoir apposer sur un commentaire ou un élément publié des stickers. Donc il y a un nombre très limité pour l'instant de stickers, des stickers à la Facebook, un cœur, pouce vers le haut, pouce vers le bas, à deux points d'exclamation, point d'interrogation. Donc on peut ajouter simplement un sticker en cliquant dessus. Voilà, si on aime cette vidéo par exemple, ou si le OK, un petit appui long. Voilà. Autre nouveauté, pas non plus fascinante, celle de mettre des émoticons de grosse taille. Voilà. Un bel émoticon geek. Autrement, pour le reste, les fonctions qu'on nous a montrées lors du keynote, à savoir la possibilité de d'un message à l'encre sympathique, ne semblent pas être activées sur macOS Sierra pour le moment. À voir si ça change. J'espère que mon camarade Benoît va se calmer avant de nous envoyer des émoticons qui n'auraient pas lieu d'être sur une vidéo publique. Alors en fait, les nouveautés sont bel et bien disponibles sous Sierra à condition que les messages soient envoyés depuis iOS 10. Donc on peut, à cette condition, envoyer des dessins, des photos agrémentées de dessins et utiliser la fameuse encre sympathique qui peut fonctionner aussi bien sur des images que sur du texte. Voilà, donc pour l'instant, ces nouveautés ne sont pas implémentées directement sur Sierra, mais Sierra est capable de les lire à partir du moment où c'est iOS 10 qui envoie les messages. À l'inverse, ça ne fonctionne pas sous El Capitan. Voilà.